J'ai donc imprimé deux carrés. Donc j'ai utilisé mon logiciel la silhouette portrait. Donc je coupe tout le contour. Vous allez voir les tutos sur ma chaîne. Donc il y a plusieurs tutos pour réaliser des montages avec la silhouette portrait. Donc là en fait je veux qu'il y ait un contour comme dans les boîtes. Donc là je vais rabattre tous les coins de tous les bords pardon de la boîte. Donc à l'aide d'une règle, comme ça je suis sûre que c'est bien droit. C'est pour ça que j'ai fait un grand carré et un petit carré. Donc maintenant, à l'aide d'un ciseau, je vais couper un seul coin de chaque côté du carré pour ensuite, en fait, pour que je puisse le rabattre comme ça et en fait que ça fasse vraiment un couvercle. Donc à l'aide de mon pistolet à colle, je vais mettre donc de la colle sur tous les coins que j'ai coupés pour que je puisse le coller et ensuite le rabattre comme ceci. Voilà, la petite languette, on la colle ici comme ça. Donc ensuite, comme j'ai envie que ma boîte tienne correctement, je fais un trou à l'aide d'une aiguille, pardon. Ensuite, je rentre le bâton du côté pointu et ensuite j'ai juste à mettre ma brochette, mon pic à brochette. Donc là, je vais mettre de la colle du pistolet pour pouvoir bien coller mon bâton. En fait, c'est ce qui va nous permettre de planter le bas des brochettes dans le gâteau pour éviter en fait que le couvercle ne retombe ou se casse. Alors pour la recette du curd, je vous la mets en description avec toutes les recettes de la génoise et de la ganache de couverture. Il y a aussi un tuto disponible pour la ganache de couverture, pour les différentes manières en fait et les différentes quantités que vous pouvez réaliser. Donc là en fait j'utilise mes racloirs en fait pour que vraiment la plaque du haut et la plaque du bas soient bien droites, parce que le but en fait c'est de vraiment faire de beaux angles pour qu'ensuite on puisse poser la pâte à sucre correctement sur le gâteau. Donc maintenant je vais vous expliquer en fait comment avoir des beaux angles droits sur les côtés. Je ne fais pas la même erreur que la dernière fois, je n'ai pas filmé cette fois pour pas qu'il soit penché. Donc je prends mes deux racloirs. Faites comme là sur la vidéo, faites comme si j'avais laissé le couvercle du haut et du bas. Donc et vous avez juste en fait à mettre dans l'eau bouillante et en fait à rabattre comme ça les deux sur les côtés pour avoir de beaux angles droits. D'accord? Ensuite, le gras que j'ai mis sur le gâteau, comme d'habitude, c'est du Crisco pour que je puisse faire adhérer ma pâte à sucre sur mon gâteau. Donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est le dessus du gâteau. Donc j'avais utilisé donc un moule carré. Donc là, je vais étaler le plus finement possible.
ma pâte à sucre. Et ensuite, je vais venir prendre mon moule carré que j'ai utilisé pour la cuisson comme gabarit pour pouvoir poser ma pâte à sucre sur le gâteau. Maintenant, je vais venir étaler ma pâte à sucre qui va entourer mon gâteau. Alors, surtout, il faut bien mesurer avant d'étaler votre pâte à sucre. Comme vous voyez sur la vidéo, je suis en train de mesurer à chaque fois parce que j'ai déjà mesuré moi mon gâteau pour être sûr en fait que ça, dans la largeur et la longueur, ça soit la bonne taille. Vous voyez, je redescends comme ça pour savoir si c'est la bonne hauteur. Et là, je coupe pour que ça soit tout droit. Comme ça, quand je vais déposer sur mon gâteau, eh ben, ça va vraiment être bien droit et j'aurai juste à découper le haut du gâteau. Le haut de la pâte à sucre, pardon. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Alors surtout, choisissez bien l'angle qui va être face à vous et l'angle qui sera dans le dos du gâteau pour pouvoir refermer en fait votre cake design, d'accord? Et là j'utilise donc le lisseur, c'est juste pour rabaisser la pâte à sucre, mais en général ça adhère déjà, ça se met déjà bien correctement normalement si vous posez bien votre pâte à sucre. Alors je sais que c'est un petit peu long comme gâteau, mais vraiment ça vaut le coup à la fin d'avoir vraiment un super design. C'est très long, mais à la fin on est satisfait en fait de ce qu'on a sorti. Donc là, je vérifie que ça soit bien la bonne taille. Et en fait, maintenant, je vais poser ma pâte à sucre écrue sur le haut de mon couvercle. Donc je prends exactement la même pâte à sucre que j'ai utilisée pour le bas du gâteau, pour le haut du gâteau, pardon. Et après, je vais faire exactement la même chose pour préparer mon couvercle. Donc le gabarit, je vais juste redécouper un petit peu les côtés pour que ça soit à la bonne taille. Et ensuite, j'ai mis sur tout le couvercle du Crisco pour que la pâte à sucre puisse adhérer sur votre support en carton. D'accord? C'est très important.
Donc maintenant, je vais réaliser le dos donc du couvercle de la boîte. Donc je vais venir retourner ma pâte à sucre pour que ça soit bien côté collé sur la boîte, voilà, avec du Crisco surtout. Et là, je viens découper avec ma roulette tout le contour. Alors, c'est un petit peu en avance rapide, mais il faut vraiment y aller doucement. C'est important. De toute façon, je ne vous le répète jamais assez dans toutes les vidéos. Prenez tout votre temps. Ça prend le temps que ça prendra, mais à la fin, vous aurez un beau résultat. Donc là, je vérifie quand même que mes beurres ils soient bien collés. Donc si c'est pas bien collé, je rajoute du Crisco. Comme je vous dis, c'est pas grave si on rattrape, ça peut pas être parfait du premier coup. Donc il faut remettre du Crisco, faut vraiment pas hésiter, comme ça colle bien et ça bougera plus de votre support. Pour les contours vers extérieur, j'ai donc fait un boudin que j'ai étalé et ensuite j'ai juste à coller tous mes côtés un par un bien sûr. Et à couper à la roulette. C'est un processus un peu long parce qu'il faut faire l'intérieur et l'extérieur, donc les bords intérieurs et extérieurs, mais ça vaut vraiment le détour à la fin, ça fait super bien, super beau les finitions. Maintenant, je vais réaliser en fait le support qui va me permettre de poser ma montre dans l'écrin. Maintenant, je vais réaliser le cadran de ma montre. Donc, il faut que ça soit épais quand même, hein. Surtout pas trop l'étaler. Et après, je vais mettre des coups de couteau tout autour. Tout doucement, prenez votre temps. C'est un petit peu long aussi, mais au moins, ça vous fait une belle finition sur les côtés. Maintenant, je vais réaliser le bracelet où sera posé le cadran que j'ai préparé juste avant. D'accord? Donc je découpe en long et je vous laisse regarder la suite minutieusement. Si vous avez besoin de regarder des fois la vidéo plusieurs fois, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Et même moi, je fais pause, play, pause quand je ne sais pas faire quelque chose et que je veux apprendre à le faire. C'est ce que je fais. Et c'est comme ça que vous allez y arriver de toute façon. Alors pour cette étape, j'ai pris tout mon temps. Donc c'est en accéléré, mais j'ai vraiment fait attention pour que ça soit vraiment bien droit. J'ai pris donc cet outil. Il y a un côté lisse, un côté cranté. C'était en fait pour faire l'effet à l'intérieur pour les accroches. Donc vraiment prenez tout votre temps. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette étape-là, en fait, j'avais déjà collé ma montre. Sur le support, là vous allez le voir qu'elle n'est pas du tout brillante, c'est parce qu'en fait j'ai oublié de la colorer avant, donc ne faites surtout pas cette erreur, colorez-la avant de la déposer, ou alors faites la découpe comme j'ai fait sans la coller, et ensuite vous avez juste à retirer, ça sera pas collé, donc vous aurez juste à retirer et à la remettre après. Donc voilà, ensuite je vais faire donc le logo Rolex et puis collé sur le dessus. J'ai utilisé donc ma silhouette portrait pour pouvoir faire une belle découpe parfaite des lettres et aussi du logo qu'il y aura au-dessus. Alors pour ça, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra aller sur les autres tutos que j'ai fait pour la silhouette portrait. Donc j'en ai fait trois. Donc si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
J'ai fini mon couvercle, je vais le déposer au-dessus de mon gâteau et maintenant je vais poser le cadran de la montre sur le dessus. D'accord? Alors, je voulais vous dire que je n'ai pas filmé quand j'ai fait les finitions avec les boudins que j'ai sortis avec l'extrudeur parce que je n'avais plus de place dans mon téléphone. C'est la seule chose que je n'ai pas filmée, sinon j'ai tout filmé. Donc les boudins tout autour, c'est pour faire la finition. Pareil, c'est un petit peu long, mais honnêtement, il faut le faire parce que sinon ça fait pas fini. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis bah, à bientôt pour une autre vidéo.